Pour le développement de cette nouvelle génération de Bar et Maral, nous avons particulièrement travaillé sur la possibilité de personnalisation, tout en améliorant la performance de nos produits. Vous allez trouver sur chacune de nos Bar et Maral 4X un système révolutionnaire sur le canon. Vous aurez le choix entre trois modèles de visée ouverte, une bande battue, un feuillet avec fibre optique et un feuillet ajouré particulièrement adapté pour les tirs à courte distance. Vous pourrez également monter le système Reflex K1 avec le point rouge Kite. Nous avons également plusieurs types de montages fixes et amovibles qui permettent de fixer une optique sur la carcasse. Le guidon avant peut être retiré et repositionné sans outil et sans perte du point d'impact. Tous nos canons sont filetés pour l'utilisation éventuelle d'un frein de bouche ou d'un modérateur de son. La sécurité est aussi mise en avant avec généralisation du système d'armeur manuelle sur toute la gamme 4X, avec une course réduite de 25% et un bouton large qui facilite son utilisation. Dans le développement de la Bar et Maral 4X a été de mettre en œuvre des innovations techniques afin d'offrir aux clients un produit attrayant, robuste, mais aussi plus performant. Tout d'abord, nous avons intégré le concept d'organe de visée modulaire qui permet à l'utilisateur de facilement changer la configuration de son arme à l'avant du canon et ce, sans outil. L'aspect innovant dans ce concept réside dans l'utilisation d'un système de rattrapage de jeu réalisé grâce à une lame ressort et un roller qui vient s'encliqueter à l'avant du canon. Ceci permet de garantir une répétabilité de placement de l'organe de visée et donc une répétabilité de la précision. Ce design permet à l'utilisateur de facilement monter un accessoire comme un modérateur de son ou un frein de bouche en démontant très facilement l'organe de visée avant. Ceci offre une modularité jamais vue pour la barre et la marale au niveau de la visée. Ensuite, nous avons amélioré la précision de l'arme en rigidifiant l'interface canon-carcasse. D'une part, nous avons renforcé la carcasse en aluminium au niveau de sa jonction avec le canon et d'autre part, nous sommes revenus aux fondamentaux de la barre avec un assemblage fileté serrant du canon dans la carcasse, ceci grâce à un procédé dédicacé qui se fait de manière précise et rigoureuse. Cette nouvelle architecture garantit des groupements précis et constants. Nous avons réussi à réduire la dispersion des tirs de moitié avec des résultats jamais obtenus sur une plateforme semi-automatique de chasse, avec des tirs en dessous de la minute d'angle et ce, dans tous les calibres proposés. Enfin, nous avons voulu mettre l'accent sur la robustesse de la crosse en améliorant sa rigidité. Il était important pour Browning de renforcer le nez de crosse et nous y sommes parvenus en élargissant les surfaces d'appui et en renforçant la crosse au niveau des épaisseurs les plus critiques. Une meilleure rigidité et tenue de la crosse va aider le tireur et participe à la recherche d'une meilleure précision globale